Écoutez, il y a une branche là. T'inquiète pas, on la pousse avec la bagnole, la branche. Oula, attention. Alors on la pousse. Remarque, ça sent bon. J'ai jamais senti une écorce qui sente aussi bon. Nous vous parlons en direct de l'un des points de contrôle du fameux rallye international de caravane organisé par le Petit Méridional. En ce moment même, les vainqueurs de l'année dernière, les célèbres Aldebert et Irma Larvienzi, arrivent au point de contrôle. Cette année encore, les Larvienzi sont les grands favoris. La maîtrise et la grande dextérité d'Aldebert Larvienzi au volant renforcent encore cette impression. Cependant, une équipe d'outsiders est en train de réaliser l'exploit. À la surprise de tous les experts, cette équipe menace sérieusement les favoris. Didi Maison un coup, parfaitement secondé par son grand-père, qui lui sert de copilote. Et d'après les derniers pointages, il serait très près de l'équipe Larvienzi. En fait, il devrait être arrivé ici depuis longtemps. Espérons que cette difficile étape à travers champs ne leur sera pas fatale. Fiston, l'article 18 du règlement de cette belle course dit que si lors de l'étape à travers champ, l'une des équipes, involontairement ou par cause des dommages, elle sera éliminée sur le champ. Pas de panique, grand-père. Personne ne peut nous voir ici. Attention, j'ai une frise dans l'oreille. Hey, vous, vous respectez pas mon boulot, hein? Je vais vous faire voir de quel bois je me chauffe. Monsieur le garde forestier, soyez gentil, allez, fermez les yeux, je suis très bien placé au rallye, vous comprenez? Faut pas toucher à mon boulot, je vous donne une contredanse et je vous signale aux organisateurs du rallye. Un poids, c'est tout. Votre nom, s'il vous plaît. Écoutez, regardez, non, écoutez, soyez gentil, il y a un bon mouvement, monsieur le garde forestier. Mais grand-père, qu'est-ce que tu fais? Mais on va, mais tu peux. Allez, allez, grouille! Maintenant, il s'agit de rattraper le temps perdu. Il étouffe, grand-père, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais le sortir de là, moi, parce que sinon, s'il meurt étouffé, on aura des ennuis. Ah. Il n'a même plus la force de crier au secours. Ah, t'as fait du joli travail. Hello! Vite! Il s'est évanoui. La chance est avec nous, grand-père. Allez, viens, on va l'installer sur le banc qui est là-bas. Oui. Le temps qu'il revienne à lui, et toi et moi, on sera déjà loin. Fais attention. Filons avant qu'il se réveille, grand-père. Oui. Arrêtez immédiatement. Arrêtez. 10 000 francs qui vont nous passer sous le nez. Tout ça pour un caprice de vieillard. Allez, ouvre. Non, ça va, t'énerve pas, j'ouvre. Mais dépêche-toi. Ah, ouh la merde, t'as passé à la femme. Tiens bon, grand-père, je vais aller le serrer. T'inquiète pas, grand-père, je vais passer par la lucarne. Il est coincé, j'arrive pas à l'ouvrir. Oulala, oh non. Mais arrête ce truc là, voyons. Oulala, on ne pousse pas, je vais plus la regarder, on va te faire. Grand-père, attention là. Aire de repos pour les concurrents du rallye. Ah, enfin, on va se reposer. Et essayer de trouver un coin bien à l'ombre, fiston. Attention! Et non, on s'en filet. Dis donc, vous. Oui, moi. Merculez, enfin, vous êtes en train d'écraser mon mari. Il n'y a rien à faire, les vitesses sont coincées. Oh, mais enfin, monsieur, essayez de les décoincer. Je vais faire autre chose. Ben voilà, il n'y a plus qu'à trancher la corde et puis on va le rattraper au col, hein. Hop. Où je vous le mets? Là-dessus, sur mon lit de camp. Sur le lit où? Il est encore loin, le lit, là. Vous me dites que j'y suis arrivé? Oui, attendez, je vais sûrement trouver quelque chose. Grand-père, t'as pas une idée? Ah, une seconde, hein? Attendez.
sais. Que ça va glisser, hein. Ah, passez à table. Oh, mon estomac crie famine. Eh ben, tu peux le laisser crier, chérie. Tu oublies qu'on t'a mis au régime. Le jeûne pour toi est nécessaire. Oui, et sur ma pierre tombale, on inscrira ces maigres mots sans doute, si j'ai le pauvre Dicky émérite, décédé par malnutrition. Mais à part ça, il est mort en bonne santé. Ne dis pas d'idiotie, chérie. Chaque jour, des milliers de personnes meurent parce qu'elles s'en mettent plein la lampe. Oh, quelle belle mort. Oh, mais vous pouvez me regarder, hein. J'ai pas un gramme superflu sur moi. Eh, franchement, est-ce que je suis gros, moi? Non, mais si tu veux un conseil, évite de te montrer en maillot de bain. On pourrait croire que tu fais une réclame pour les pneus Michelin. Ma chère Bertha, tu sais ce qui me plaît en toi? Ma foi, non, quoi? Rien du tout. Oh. Tu t'amènes ici, tu bouffes ma nourriture. Oh, oh. Qui ne sois pas insolent, je t'en prie. Notre gentille Bertha t'a apporté un beau cadeau. À moi? Oh, mais quel genre un cadeau qui se mange. Tiens, une balance pour la salle de bain. Regarde, chérie, comme elle est jolie. Oui, elle est comme elle, elle est plate et tout le monde monte dessus. Oh, oh, voilà comment il me remercie. Et pourquoi tu te scandalises? Il est impossible, on ne l'offre pas. Ah oui, ça évidemment. Si on te fait mourir de faim, tu peux pas sauter de joie. Allez, amène ta volaille aux hormones sélectionnées. Bertha, tu préfères la cuisse, je crois. Oui. Bon, je vais prendre l'autre. Mmh. Et il reste le blanc. Mmh. Tu sais pas ce qu'on va faire, on va le partager. Oui, merci. Voilà. Dis-moi, est-ce que je peux manger un petit quelque chose aussi? Oh oui, excuse-moi, chérie, je t'avais oublié. Tiens, ça c'est pour toi. Il n'y a rien qui va avec. Écoute, laisse-nous manger tranquillement, tu veux? Bien sûr, ma chérie. Clara, tu fais la cuisine comme personne, ma chérie. Ça, c'est bien vrai. Il manque peut-être un petit poil d'assaisonnement dans ma salade. Oh, je sens que je vais exploser si je ne prends rien pour faire passer ce fastueux repas. Je vais voir dans la cuisine si je ne trouve pas un grand verre d'eau. Dis-moi, tu ne crains pas que seul dans la cuisine, il entame tes réserves? Il aura une petite surprise s'il essaie. La caverne d'Ali Baba. Vive la bouffe. Ah, pauvre type. Ce sont des méthodes nazies, ça. Gros goinfre. Fameuse. Des pommes formidables. Non, attention, il y a peut-être une machine infernale. Aucun piège. T'en as pris, hein? Dis donc, qu'est-ce que tu faisais? Elle est bonne, hein? Elle est en cire. Bon, maintenant, je vais faire des crêpes. Ah oui, des crêpes. Ouais, sois gentil maintenant, disparais. Moi? Oui, toi. Moi? Ouais, allez, va tenir compagnie à Bertha. Oh, à Bertha, cette limonde en pantalon. Est-ce que tu peux être vulgaire? Oh. Allez, va t'occuper d'elle. En tout cas, sans manger, j'aurai jamais la force. Je sais pas si je vais y arriver. Hello. Hello, Elbou. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? J'embrasse Bertha. Ah, tu m'as fait peur, je croyais que tu étais en train de manger quelque chose. Oh, oh. Les crêpes sont presque prêtes, Bertha. Oh, merveilleux, les crêpes sont presque prêtes. Oh, dis, donne-moi encore un bisou. Non, non, alors plus de bisous, hein, j'ai autre chose en vue. Bon, ben, j'en ai quand même eu deux. Les autres, d'habitude, après le premier, ils s'arrêtent. Dicky,
Tu n'as pas honte, hein? Non, non, il y a un moment où l'homme a besoin de quelque chose de solide. Suis-je un ruminant? Brouterai-je jusqu'à mon dernier jour? Du moins aussi longtemps que toi et moi nous vivrons ensemble, et tu vas me faire le plaisir de foutre le camp de ma cuisine. Cochon! J'ai oublié de donner la pâtée au chien. Oh, le pauvre chéri. Allez, viens, Hector. Viens manger la bonne sous-soupe. J'arrive, tenez bon. J'attrape que de la petite friture. Et je vous en prends le singe, je vous le rends après. Et non, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, je vous expliquerai plus tard. Oh. Mes lunettes, j'ai perdu mes lunettes, mais je ne vois plus rien, mais je suis aveugle. Oh, mais mes lunettes, mais où sont donc passées mes lunettes? Mes lunettes, je veux mes lunettes. Dites donc, vous. Mais c'est maligne, ça. Et tout ce qui est au bout est à moi. Tirez, allez, mais allez-y. Allez. Et il faudrait le voir pour le croire, hein. Mais il est énorme. Évite les pucettes. C'est ma ligne. Attention. Voilà. Il est bien fort. Hop là. Doucement, doucement. Mais oh, et ma ligne. Je suis vraiment navré, vous savez. Ah, t'es navré, hein? Tu voulais tout simplement tuer un concurrent et t'es navré. Non, non, mais je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Grand-père, viens vite. Bébé, j'arrive. Oh, ça alors. Alors cela, il manque pas de culot. D'abord, ils essaient de me noyer, et maintenant, ils m'asphyxient. Vraiment navré, fiston. J'ai dû oublier de remplir notre réserve d'eau. Ah bah, me v'la frais, moi. Regarde ça. Comment je vais faire pour me rincer? J'ai vu une cabine de douche là-bas, c'est à deux pas d'ici, vas-y. Ah oui, mais si jamais il se met à pleuvoir. Ah, le salaud, il nous enfume exprès. Attends, je vais lui apprendre, moi, tu vas voir. Oh, bah oui. Ah, moi, ça se travaille. Tiens, à vous, elle savoir-vivre, vous étouffe pas, hein. Mouache. Ah, bravo, c'est gagné. C'était notre repas. Ah bon? Excuse-moi, grand-père, ouais. Je suis désolé. Ouais. Oh. C'est pas toi. Bisous. Trempé. Au suivant, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, docteur, je ne sais pas d'où ça peut venir, voyez-vous, mais en tout cas, docteur, ça vient. Oui, parfois, je pense à quelque chose, hein, et puis ça vient. Ah, mais que se produit-il? Eh bien, il se produit ce à quoi j'ai pensé. Ah, très bien. Déshabillez-vous. Vous voulez que je me déshabille, docteur? Oui, dites-moi, et à quoi vous pensez, généralement? Ah, ben, ça dépend, mais par exemple, j'ai pensé avant-hier que ma tante allait venir. Et alors? Et alors, ben, elle est venue, évidemment. Ah, vous piquez ma curiosité, asseyez-vous. Vous me demandez de m'asseoir, eh bien, évidemment, pour la première fois, j'ai pensé que c'était une pure coïncidence. En plus, puis après, la deuxième fois, alors là, je me suis étonné. Oui, la deuxième fois comme la première, votre tante est venue. Ah non, non, mais pas du tout, parce que la seconde fois, j'ai pensé à autre chose. Hein? Oui, j'ai pensé tout à coup que la porte du bas allait claquer. Et alors? Et elle a claqué, évidemment. Ah, je vois. Il est possible aussi qu'elle ait été mal fermée, non? C'est vrai, c'est une chose qui peut arriver. Parfois, on croit, et puis après, on constate que... Oh.
Non, 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 il n'y a aucune raison sérieuse de vous inquiéter. Aucune raison de m'inquiéter, hein, mais dis donc, soyons un peu sérieux, docteur. Vous ignorez-vous ce que c'est de ne pas fermer l'œil de la nuit? Moi, je les passe ainsi à écouter la radio. Bah, si j'écoutais la radio toute la nuit, il est certain que je dormirais pas non plus. Allongez-vous et coupez la radio. C'est ça, j'ai essayé, mais j'y suis jamais arrivé. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'écoute la radio, ils jouent toujours ce que je pense qu'ils vont jouer à ce moment-là. Oh, et vous pensez à quoi exactement? Bah, ça dépend de ce que j'ai envie. Par exemple, si je pense comme ça, tiens, je ferais bien une petite balade en mer. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui passe? Je voudrais ce joli bateau. Et le bateau, vous l'avez... Écoutez, je vous parle sérieusement, moi, docteur. Hein? Oui, non, excusez-moi, si je vous ai dit ça, c'est que je pensais que vous aviez... Saviez... Bien sûr, si j'avais pensé que je l'aurais, alors évidemment, je l'aurais eu, ce bateau. Mais justement, je ne veux pas penser que je vais avoir ce bateau pour ne pas avoir le bateau. Pourquoi? Mais parce que si je pense que je vais avoir le bateau, je vais donc avoir le bateau. Et moi, comme je ne saurais pas où mettre le bateau que je vais avoir, alors je ne veux pas penser au bateau. Et alors, si j'ai pensé à un bateau, c'est parce que vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, non, non, parce que si vous voulez, je vais tout recommencer maintenant. Voilà, maintenant, c'est clair? Oui, c'est très clair. Oui, 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 oui. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites lorsque vous pensez très, très fort à une chose, immédiatement, elle arrive. Oui. Oui, oui. Je vais faire une expérience. Je pense fortement, moi aussi, à une chose. Oui, à quoi pensez-vous, là, si fort? À mes honoraires. Et à combien pensez-vous qu'ils s'élèveront? 800 francs. Tenez. Il y en a que 20. Bah oui, vous manquez encore un peu d'entraînement. Délicieux, ma chère amie, n'est-ce pas? Oui, peut-être manque-t-il un peu de finesse. Oui, le gras est un rien trop gros. Peut-être, oui, c'est possible. Chin. Chin. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je suis confus de vous déranger, mais par hasard, seriez-vous en quel lieu éloigné on a mis les toilettes ici? Elfried. Je suis assis tranquillement en train de dîner. Et ce vieux trou du cul tout ratatiné vient me demander où sont les chiottes. Et voilà, mesdames et messieurs, apparaît juste devant nous la superbe caravane de Didi et de son grand-père. Une équipe de super motivés qui, après un remarquable et spectaculaire effort, vient de se replacer dans le peloton de tête. Il faut reconnaître que Didi Mesureco a des dons de conducteur assez remarquables. Maintiens-moi cette vitesse, fiston, et on sera bientôt les premiers. Voyez avec quel brio Didi Maison un coup s'est merveilleusement utilisé l'étroitesse de la route et avec une dextérité consommée, un grand champion est en train de naître. Grand-père? Oui? T'es aveugle ou quoi? Enfin, tu vois pas que ce machin me bouche la vue, attache-le. Voilà. Dis-donc, fiston, tu serais pas un peu nerveux, toi? Ah, mais y'a de quoi? Allez, va, mange un morceau. Fous-moi la paix. Bon, mais je vais conduire à ta place. Oui, bon. Et on a rattrapé les guignols. Très bien, grand-père, serre-les de près. Tu vas voir ça, je vais les dépenser, oui. Ah! Quoi, quoi? Ben, fais gaffe, grand-père, il essaie de doubler en douceur. Ah. Il croit peut-être que je vais le laisser passer, celui-là. Aldebert, ce n'est pas très correct. Ah, tu parles. Je suis à fond et j'avance pas, notre moteur est cuit. C'est la seule façon pour nous d'empêcher ce type de gagner. Patience, mon vieux. Je t'aurai au tournant. Ah, grand-père, remets le plumeur dans les sangles. Tu sais nager, fiston? Je vais apprendre. J'ai fait 800 km pour venir ici et je n'ai pas attrapé un seul poisson. Ouah! Ça y est, là, je crois que je tiens un gros morceau. Oh, mais attache ça! Ah, je vais te dire, hein, on gagne pas un rallye de cette façon! Mais ça n'y a pas, c'est de spécial! Au secours! Mais qu'est-ce que c'est? Au secours, je me descends!
chaîne est formidable, fiston. Allez, vas-y, appuie. Nous pouvons encore gagner. Cette charrette ne démarre plus. Pour nous, le rallye est terminé. Ah, quel poisson! Oh, écoute! Attention, fiston, voilà un virage à gauche qui m'a l'air sec. Je vais faire un dérapage contrôlé, tu vas voir ça, regarde! Ah! Qu'est-ce que c'est? J'en ai marre de te mener en bateau comme ça, mon. Votre charrette est mal ordonnée, fausse, fiston! Ouh là là! C'est pas beau ce que tu fais là. Mauvais conducteur, mauvais perdant. Attendez, donnez-moi la main, oh. Je vais vous aider. Mais tu vas pas l'aider, non? Oh, on va voir sa femme, même quand c'est la sienne. Ah. Tiens, hein, je vous retrouve. Il y a quoi qui soufflait, connard. Ah, ne me touchez pas, hein, parce que là, je... Oh. Sec, bagaille. Viens, on s'en va faire. Je vais pas comme un pied. Moi, tu te l'as. Partons, laissez-moi passer. Et on va là-bas. En tant que président de ce troisième rallye de caravane tractée, je remets la coupe au gagnant. Didi, mets-en un coup, et son charmant grand-père. J'ai aussi le plaisir de leur remettre cette prime qui représente la coquette somme de 10 000 francs. Oh, mon chèque! Comment je vais le retrouver là-dedans? Oh, Hey, monsieur, vous êtes malade, non? C'est mon chèque. Oui, ça, c'est mon point.